Et bienvenue à tous, à toutes et à tous pour un nouveau let's play sur Fire Emblem Sacred Stones. Et qui pour moi le thème de Fire Emblem, mon préféré. À chaque fois, ah, les poils qui se hérissent, c'est trop bon comme son. En tout cas, bienvenue à tous, ce sera du live, mais également de la VOD, pensez. Enfin, ça sera un live aussi pensé pour de la VOD. Donc j'espère que ça vous plaira aussi bien en live qu'en VOD. Bon, j'ai fait une petite partie test qui peut dégager maintenant. Bien, nouvelle partie. Je vais la faire en normal. Pourquoi ? Parce que ça fait un petit moment que j'y ai pas joué. Après, c'est pas le plus dur des Fire Emblem. Mais bon, je veux dire le mode normal, voilà. Ni plus ni moins, car l'idée est de vous le faire découvrir surtout. Ruby, imagine un Fire Emblem avec des persos comme Marissa, La Rochelle, et tant d'autres dans un même jeu, ce serait vraiment incroyable. Bah, ça s'appelle Fire Emblem Heroes pour le coup. Ce jeu me fait penser à Advance Wars. C'est dans le même genre. Sauf que, contrairement à Advance Wars, vaut mieux garder ses persos tout du long. Donc, bah, on est parti. Le mal avait jadis envahi notre monde, d'épouvantables créatures déferlées en masse, emportant l'humanité jusqu'aux portes du néant. Abattus et impuissants, les hommes implorèrent les cieux, une lumière leur redonna espoir. Peut-être avec une super voix, ça pourrait le faire. Les pierres sacrées! Ces 5 trésors avaient le pouvoir de repousser les forces du mal. Le héros Grado et ses fidèles utilisèrent les pierres sacrées pour combattre le mal. Ils parvinrent à emprisonner l'âme du roi démon dans les pierres. Le mal ayant été banni de ce monde, la paix régna de nouveau sur Macvel. Hélas, cette paix allait s'avérer très fragile. Le continent de Macvel. Pendant 800 ans, la paix y régna en l'absence des terribles forces obscures qui avaient envahi tout le continent. Les pierres sacrées sont des reliques transmises de génération en génération. Leur pouvoir et leur héritage constituent les fondements des nations de notre monde. René. Ce royaume est dirigé par Fado, l'exceptionnel roi guerrier. Frelia, ce royaume est dirigé par Aiden, le vénérable roi sage. Gianna, ce royaume est dirigé par Ismer, la reine des dunes. Rausten, cette théocratie est dirigée par Mansell, le monarque divin. Grado, ce puissant empire est dirigé par Vigard, l'empereur taciturne. Ces 5 nations hébergent le pouvoir des pierres sacrées. Une 6e nation est en train d'émerger. Il s'agit de la République Mercantile de Kersino. En ces temps de paix, les récits des conflits passés sont devenus légendes. Toutes les atrocités de l'époque obscure ne sont plus que souvenirs. Nous sommes maintenant en l'an 803. Des événements terribles ont frappé le continent de Macvel. L'empire de Grado, la plus vaste des nations des pierres sacrées, a envahi le royaume de René sur ordre direct de l'empereur Vigard. Fidèle allié de Grado, René est pris au dépourvu. Le royaume est incapable d'organiser sa défense. Les forces de Grado continuent leur avancée, élargissant très vite leur zone d'influence.
L'angoisse du roi Fado redouble car son fils, le prince Ephraim, ne donne aucun signe de vie. Les soldats de Grado se trouvent maintenant aux portes du château de René. La déchéance de René est imminente et inévitable. Prologue, la chute de René. Votre Majesté, j'apporte de terribles nouvelles. Les défenses du château ont été percées. Les forces de l'Empereur Vigarde se trouvent à l'intérieur de nos fortifications. Je comprends. La garnison a été vaincue. Nous avons perdu le contact avec le prince Ephraim. Nous ne pouvons donc pas compter sur l'aide de ces hommes. Votre Majesté, quels sont vos ordres ? Avons-nous le choix ? Dites à vos hommes de déposer les armes. Père ! Erika, portes-tu le bracelet que je t'ai donné ? Oui, toujours. C'est bien. 7. Oui, votre majesté. Emmenez Erika à Freylia. Le roi Hayden est un homme bon et respectable. Il vous protégera. Entendu. Et vous, votre majesté? Moi, je vais rester ici. Nous avons longtemps compté Grado parmi nos alliés. Mais voilà que son armée nous attaque. Je dois savoir pourquoi. Suis-je responsable de cette tragédie? Ai-je failli dans mes devoirs de dirigeant? Je dois guider René. Comment ai-je pu échouer dans ma tâche? Père, tu ne peux pas rester ici. Tu n'en as pas le droit. Si tu refuses de partir, j'en ferai autant. Cette emmenez-la immédiatement. Merde, c'est pas la bonne voie. Pas grave. Père! Pardonnez-moi, votre majesté. Ephraim, Erika, vous devez survivre. Général Seth! Franz, va prévenir Freylia que nous sommes en route. Un cavalier solitaire a plus de chances d'échapper à la garde des soldats de Grado. Tu dois avertir le trône des événements qui se trament ici et demander des renforts. À vos ordres! Dame Erika, nous devons... Vite, derrière moi! Dites-moi, cette jeune fille, ce ne serait pas la princesse de René? Formidable, c'est mon jour de chance! Vous êtes un homme mort! Quant à la fille, elle vient avec moi! Jamais! Je suis Valter, la pierre de lune. Je suis aussi le plus grand général de Grado. Vous êtes un corps qui ne sait pas qu'il est mort. Ah. Non. Malgré ses terribles blessures, il continue d'accomplir son devoir. Ah, comme c'est amusant. Envole-toi, mon garçon, envole-toi! Essaie de distancer la mort! Ça me laisse plus de temps pour savourer ta capture et ton exécution. D'America, par là, on dirait que la voie est enfin libre.
Nous avons réussi à semer les hommes de Grado et à venir jusqu'ici. Nous avons bien mérité de nous reposer un peu. Pardonnez-moi de vous avoir saisi le bras aussi brusquement. Ne dites pas de bêtises, Seth. Sans vous, jamais je n'aurais pu m'échapper vivante du château. Vous m'avez sauvé la vie, et je vous en sais gré. J'ignore qui était cet homme, mais c'est après moi qu'il en avait. Vous avez été blessé à cause de moi. Permettez-moi de vous soigner. Votre Altesse, je ne peux pas laisser une blessure aussi anodine que celle-ci nous retarder. Nous avons d'importantes affaires à régler. Nous devons nous dépêcher de regagner Frelia. Les ordres de notre roi doivent impérativement être exécutés. Je me demande comment mon père s'en sort au château. Vous croyez qu'il va bien? Et qu'en est-il de mon frère? Nous sommes sans nouvelles depuis plusieurs jours maintenant. Le roi Fado et le prince Ephraim sont des hommes avisés et courageux. Si vous voulez mon avis, même les forces de Grado ne seront pas en mesure de les tenir en échec. Le plus important, votre Altesse, c'est votre sécurité. Comme ces deux-là seraient tristes si quelque chose venait à vous arriver. Nous devons aller à Frelia pour veiller à ce que votre famille soit bientôt de nouveau réunie. Oui, vous avez raison. Je dois garder espoir jusqu'à ce que je retrouve mon père et mon frère. Bien, Seth, mettons-nous en route. Une fois que nous aurons traversé ce pont, nous serons à Frelia, près de la frontière de Mulan. Venez d'America. Votre Altesse, je ne vais pas vous mentir, ce voyage risque d'être très éprouvant. Veuillez accepter cette rapière. S'il m'arrive quoi que ce soit, vous devrez vous rendre à Frelia sans moi. Et vous là-bas, chien René, où croyez-vous aller comme ça? Diantre, les hommes de Grado, reculez d'America. Ça va aller, Seth. Merde. J'ai des roubignoles qui m'ont poussé, ça va chier. Mon frère m'a tout appris sur le combat à l'épée. Je vais me battre avec vous. C'était un exercice éprouvant d'essayer de switcher avec toutes les voix là et d'avancer le et d'avancer le dialogue. Bon, clairement, si vous n'êtes pas familier avec les Fire Emblem, déjà nous avons du coup une des héroïnes principales, un des héros principaux puisque le deuxième est un homme. Donc voici Erika et voici Seth. Seth est un paladin. Il est cheaté pour le début du jeu. Donc on va le laisser tranquille. Il va juste servir à encaisser si besoin. Ces messieurs, ils tapent à 13. Lui, il tape à 14. Mais sinon, il tape tout ça. Il tape tout ça 13. Et cet S peut encaisser encore des dégâts. Il lui reste peut-être que 13 PV sur 30. Mais voilà. Si jamais il y a besoin. Parce que là, voyez-vous, Erika en deux coups, ouf. Donc on va les laisser venir. Je vais quand même l'attaquer et au pire je mettrai 7 devant moi si besoin. Ah bah, ça fait plaisir. Ceci était un coup critique. Ah très bien, pas besoin de bouger. Ça marche encore mieux que quand j'ai fait mes tests. Oh. Attends, est-ce que l'alerte va fonctionner aussi? Merde. Alors, je sais pas s'il va arriver. Je vais y arriver. Je sais pas si ça, l'alerte va arriver là sur le live. Mais dans le doute, je te remercie maintenant. Merci Coralie pour le super chat de 5 euros.
Et hop, pour fêter le retour de Fire Emblem. Bon jeu, tonton. Merci, Coralie. Merci. Ah, s'il n'y a pas l'alerte, c'est triste. Ah bah, la voilà. La voilà. Faudrait que j'essaie de les rendre un peu plus sympathiques à voir. Parce que là, elles sont un peu camouflées. Mais merci. Un gros merci. Et du coup, s'il y a des gens qui sont arrivés entre-temps, bienvenue. Il ne reste plus que leur chef. Pourquoi j'ai plus le son ? C'est parce que j'avais plus le focus. Alors lui, il peut se déplacer. Alors même s'il va être dans une forêt, bah qui se ramène ? Ah bah tiens. Parce qu'en fait, il faut savoir, si vous ne le savez pas, les cases permettent d'avoir un bonus de défense ou d'esquive, selon les cases. Bon, quand on est en plaine, il n'y a pas de bonus, il n'y a rien. Quand on est dans une forêt, on gagne un point de défense en plus, et on gagne 20 points d'esquive en plus. Quand on est sur une cime, et là, il n'y a pas beaucoup d'unités qui le peuvent, regardez, personne ne le peut, là, parmi les unités ici présentes, encore moins les cavaliers. Donc voilà, donc cet énergumène va se ramener là, mais de façon, je serai obligé de l'avoir au moins en deux combats. Allez, on va lui laisser une chance. Quoi ? Tu crois pouvoir me défier ? Toi, une mauviette bourgeoise ? Les chevaliers ont tous la folie des grandeurs. Mais il est temps que je vais vous remettre les idées en place. Je vais pas la faire souvent, cette voix-là. Je t'accorde l'honneur de mourir en premier. C'est pour ça qu'il faut soigner. C'est pour ça aussi qu'anormalement, il aurait fallu que je la mette ici, elle aurait gagné 20 points d'esquive en plus. Ah oui, il y a Yoshi Smash qui est arrivé entre temps. Je me disais, c'est pour ça que j'ai eu des critiques sur critiques là. Bah oui. Allez, la prochaine est la bonne. Franchement, j'ai pas 100% d'esquive, je comprends pas. Enfin, je veux dire, je rate. Je vais pas dire si je rate ou je me coupe une couille, ça je le fais. Non, non. Mais si je rate, j'ai encore un plan B, c'est de m'enfuir avec 7. Ça va. Comment ? Blah. De l'XP, est-ce que le level up. Ah. Bref, j'aurais voulu force et vitesse, vois-tu, mais bon. Alors, jouer avec le voice mode, c'est aussi un petit peu galère. Donc, je vais être très limité en voix malgré tout. Mais on va dire que pour les personnages importants, j'essaierai de faire des voix un peu personnalisées. Madame, êtes-vous blessée ? Comment ? Oh non. Je vais bien, Seth. Mais vous êtes si pâle. Je vais très bien. C'est ça la guerre ? C'est ça la guerre ? Ça ne ressemble pas au jeu auquel je jouais avec mon frère ou mon ami Lion. Jamais je n'aurais pensé que je ne m'attendais pas à tant de barbarie. Tout dialogue serait donc futile ? La force est-elle tout ce qui compte ? Pourquoi le ciel est bleu ? Pourquoi l'herbe est verte ? C'est tellement triste. Pourquoi l'empire de Grado a-t-il agressé notre pays ? Pour quelle raison aurait-il commencé cette guerre ? Madame, rassurez-vous, Seth. Je ne compte pas me renfermer dans la tristesse. Partons ! Je suis toujours en un seul morceau et je continuerai jusqu'à ce que mon pays soit de nouveau prospère. Je continuerai jusqu'à ce que je retrouve mon père et mon frère. Et ben voilà. Hey, salut Anacrisis, qui est Darky, si je ne m'abuse, sur YouTube. Oui, c'est ça, le pseudo. Ton message corrobore donc ce que je disais. Oui, ça va, et toi ? Bon, c'était pas trop compliqué, mais en même temps, c'était le prologue. En mode facile, c'est bourré de tutoriels. Je veux dire, par exemple, se déplacer, attaquer, tout le bazar. Et le prologue, il est... Comment dire ? Je trouve plus le terme.
scénarisé, dans le sens où telle attaque touche, telle attaque est esquivée, etc. Genre, on se fait toucher une fois juste pour pouvoir se soigner. Allez, sauf qui peut. Oh, il y a des gros vilains par ici. Dame Tana, les forces de Grado. D'ailleurs, je vais peut-être remettre en plein écran cette histoire. Ah. Alors, attends. Dame Tana, les forces de Grado approchent. Comment? Déjà? Ah, nous sommes pris de court. Madame, nous ne sommes pas en mesure d'assurer votre défense. Vous devez retourner au château de Frelia. Mais je ne peux pas. Il est encore trop tôt. Nous devons d'abord retrouver Erika et ses compagnons. Erika est mon amie et elle a besoin de mon aide. Jamais je ne l'abandonnerai. Oh, je sais. Allez demander des renforts à mon père, au roi Aiden. À vos ordres, votre Altesse. Erika, fais attention à toi. Commandant Braguette, l'ennemi semble fortifier sa position à l'intérieur du château. Ces hommes sont tenaces, mais ils ne sont pas prêts de nous arrêter. Quels sont les ordres, commandant? Ah, les ordres? Contentez-vous de rester là et de regarder. Je vais les écraser moi-même. Comme vous voulez, commandant. Et voilà, c'est comme ça qu'on fait. Ah, voilà ce qui arrive à ceux qui osent défier ma lance divine. N'avancez pas! Ordonnez à vos hommes de battre en retraite, ou vous le regretterez! C'est une promesse? Et d'abord, qui êtes-vous? Qui suis-je? Je suis Tana, la princesse de Frelia. Je jure que je ne vous laisserai pas ruiner mon pays. La gosse de la famille royale de Frelia, ça tombe bien. Quittez le château sur le champ. Si vous me touchez, mon père et mon frère vous pourchasseront jusqu'au bout du monde. Ouais, je sais combien le roi Hayden est gaga de sa petite fille chérie adorée qu'elle aime de tout son cœur. Vous êtes l'otage qu'il me fallait, très cher. Capturez-la et enfermez-la. Tout de suite, commandant. Non, laissez-moi. Seth, regardez. Je vois, l'armée de Grado a déjà atteint Frelia. Cet endroit est trop dangereux. Nous ferions mieux de contourner Mulan pour nous rendre directement au château. Mais nous ne pouvons pas ignorer ce qui est en train de se passer. Vous étiez là lorsqu'ils ont envahi René. Vous avez vu ce que j'ai vu. Vous avez, vous aussi, été témoin des sévices que les soldats de Grado exerçaient sur les villageois. Ils ont détruit nos maisons, volé nos trésors et kidnappé femmes et enfants. Ceux qui résistaient ont tous été exécutés de sang-froid. Je vous en supplie, Seth. Je dois intervenir. Nous devons mettre un terme aux atrocités de Grado. Ok, je comprends. Nous pouvons peut-être prendre le contrôle de Mulan. Mais vous devez me promettre d'agir avec prudence. Votre peuple a plus que jamais besoin de vous, madame. Et c'est qui, prudence? Cela va de soi, Seth. Bien, allons-y. Voilà, j'ai toujours la bonne voix? Oui, c'est bon. Alors. Et coucou, derniers arrivants. Salut, BLD. Alors. Il y a mon téléphone qui essaie de me dire. Non. Je voulais pas dire. Non, je vais pas dire la phrase magique pour qu'il se réveille. En vrai.
J'aimerais que lui vienne m'attaquer, mais quand je suis ici, parce que les maisons donnent un petit bonus d'esquive. Et je crois qu'Erika, elle est encore niveau E à l'épée. Ouais, donc je peux pas utiliser... De toute façon, je crois qu'il a pas d'autre arme, cette. Si, il a une épée acier, mais il faut être rendé à l'épée pour pouvoir l'utiliser. On va se mettre à côté, bien sagement. Serait-ce la princesse de René? Eh bien, c'est mon jour de chance! Une, deux princesses pour le prix d'une, yeah! La célébrité et la fortune se ruent vers moi! Remuez-vous, bande de limaces! Amenez-moi la fille! Ah, si j'avais eu le petit point de force avant, ben, j'aurais pu le two-shot. Dommage. Sir Gilliam et Smulan, sommes-nous arrivés à la frontière de Frelia? Oui, la princesse Tana doit... Non, ça lui va pas, cette voix. On va refaire une voix... Oh, un peu plus virile. Oui, la princesse Tana doit être à l'intérieur du château. Mais regardez autour de vous! Il y a des soldats de Grado à perte de vue! Où est le garde du château? Mulan serait-il tombé? Arrivons-nous trop tard? C'est difficile à dire. D'où nous sommes. La princesse Tana ne court aucun risque s'il l'utilise comme moyen de pression. Nous devons la sauver. Oui, bien sûr, nous n'avons pas le droit de l'abandonner. Nous devons avancer et reprendre le contrôle du château. Ensuite, nous irons prêter main forte à la princesse Tana. L'armure que je porte est d'une robustesse à toute épreuve. Clin d'œil, ça veut dire que je contracte les abdos. Je prends les commandes, couvre-moi. Mais j'ai pas de couverture. Un classique. Alors. Lui, je le déglingue. Mais tu vas me le sortir, ce putain de point de force? Je l'ai eu quand j'ai fait mes tests. Bon, lui, il va venir. Et lui, il va aller sur Gilliam. Gilliam va encaisser, parce que c'est un chevalier. Les chevaliers se déplacent pas loin. 4 points de mouvement, mais une bonne défense. Donc, il va contracter les abdos et tout va bien se passer. On va rester comme ça, du coup. Ouais, j'ai eu la vitesse, c'est sûr, c'est pas mal. Ah bah lui, je le touchote. Parfait. C'est juste que la rapière, j'aimerais éviter de... Voilà. J'aimerais éviter d'utiliser toutes ces utilisations comme ça, là, mais... Parce que la rapière... Voilà, j'y arrive. La rapière, c'est efficace contre les cavaliers et chevaliers. C'est une arme efficace dessus. Il m'a pas attaqué, ce con. Alors, lui là-bas... Alors, ce que je peux faire, c'est que je vais attaquer à la lance et je vais montrer un petit tips après. Voilà. Et là, je vais faire un truc magique. C'est que, comme vous le voyez, il a une lance. Il est à portée d'un mec qui a une hache. Je prends sa lance, je... redonne sa lance. Il a une potion, je prends une potion. Voilà. Ce qui fait que maintenant il est équipé d'une épée. Petite astuce sympathique quand on a besoin de changer d'arme, quand on n'est plus avec une arme efficace. C'est vrai que j'aurais pu parler aux gens dedans. Sinon je vais me caser ici. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à dire dans la maison ? Les rumeurs sont donc vraies? Les soldats de Grado ont réellement pris le contrôle du château? Et on dirait qu'ils occupent aussi les portes du château. Les portes augmentent la défense et soignent les blessures. Clin d'œil, clin d'œil. J'en déduis que ces hommes sont de redoutables guerriers. Faites attention à vous.
Oui, je le montrerai, mais les portes augmentent effectivement les... ce genre de stats. On a l'effort qui augmente la vitesse de 2 et qui augmente l'esquive de 20 tant qu'on est dessus. Et en plus, l'effort au même titre que les entrées de château et aussi les trônes. Il y aura du coup des trônes à prendre des fois quand on sera dans les châteaux. Ça régénère les PV quand on est dessus. Donc les boss régénèrent des PV quand ils sont dessus. Donc même lui là-bas, là, dans son entrée, en plus il a 32 d'esquive en plus. Et 3 de dev tant qu'il est dedans. C'est un chevalier. Il n'a pas de résistance, mais à ce stade du jeu, on n'a pas de mage. Alors on va éviter de foutre tout l'XP sur Erika qui est déjà niveau 3. Franz c'est encore niveau 1. Et on va emmener Guilliam là. Bah tiens, pour le PV qui manque à Erika. Et je peux parler à Franz. C'est bien toi, Franz. Quelle joie de te retrouver indemne. Oui, moi aussi je suis heureux que vous alliez bien, général. Aussi longtemps que vous serez à leur tête, les chevaliers de René ne pourront pas perdre. Franz, nous devons allier nos forces pour protéger la princesse Erika. Je veux que tu viennes avec nous. Vous accompagner serait un honneur, monsieur. Mais je retourne avec la madame. Oh là là, j'ai pris un PV dans les dents. Comme je suis triste. Oh, des vilains. Je les ai retrouvés. On va lui faire... Je les ai retrouvés, les lambins de René. Ne les laissez pas s'échapper. Ah. Alors on va quand même faire profiter de l'XP à Guilliam. Hein. Yeah. Alors du coup, pendant la phase ennemie, j'essaierai de lire le chat quand même. Un petit peu, j'ai pas été très attentif. Et après ce chapitre-là, ça sera une petite pause. Pour la VOD. Mais le live continuera, n'oubliez pas. Alors, c'est un pari risqué. Mais en gros, ce serait de faire en sorte que les gens, là, se ramènent et essaient de tabasser Erika. J'ai pas trop envie, voyez. Et le problème, c'est que Seth, il one-shot tout à ce stade du jeu. Ah, j'aurais dû foutre Erika ici. Ça m'aurait moins embêté. Après, logiquement, là-dedans, elle a 46 d'esquive. Ouais, si je la laisse dedans, ça va bien se passer. Alors, je vais filer mon épée en fer pour éviter d'abîmer la rapière. On va lui parler tant qu'à faire. D'Amérique, c'est un soulagement de voir que vous allez bien. Franz, vous êtes indemne. Vous êtes indemne. Oui, votre Altesse, j'ai rencontré Sir Guilliam de Frelia. Je l'ai informé de la situation à René. Il m'a dit que la princesse Tana courait un grave danger ici à Mulan. Nous sommes venus aussi vite que nous le pouvions. Tana est ici. Franz, il faut faire vite. Oui. Ok. Et je vais m'équiper de l'épée. Parce que la rapière, elle est déjà sacrément usée et j'aimerais la réserver. J'aimerais vraiment la réserver pour les chevaliers. Et il y a Kai qui a rejoint le live entre temps sous le pseudo Dream Channel. Coucou. T'es encore en train de déménager? Pas encore. Il me semble... Ouais, tu m'en avais parlé la dernière fois.
Alors ici, ça risque de se transformer en boucherie. Je vais rester dans le fort, c'est une bonne idée. Il est quand même niveau 4, donc je peux me permettre de pas prendre l'XP pour ce coup-ci. Juste un PV, c'est décevant. Il bougera pas, le boss. Il bougera pas, il sortira pas de sa forteresse. Pas de problème là-dessus. Bon, ça va être un combat un peu débile, là, si je les laisse entre eux. Je vais pas engager le combat tout de suite avec lui. Là, il va y avoir une vague d'ennemis sur Erika, là, clairement. Et voyez ? Alors, avec l'épée, c'est un peu plus lent. Avec l'épée fer par rapport à la rapière. Ah, ça, c'est moins bien. J'ai une idée. Déjà, lui, on va l'achever. Oh putain, un point d'XP, sérieux. Ce que je vais faire, c'est que là, je vais prendre l'XP avec lui. Oui. Que je vais faire, c'est que je vais reprendre l'épée fer d'Erika. Ah, pour information, ça sert à rien que je mette la rapière à quelqu'un d'autre, c'est une arme personnelle à Erika. Objet, je vais m'équiper de l'épée et je vais me mettre ici. Comme ça, lui, il n'aura pas d'autre choix que de se frotter à l'un de ces trois-là. Mais à qui? Ah bah, c'est Erika qui a gagné. Yes! Le point de patate que je voulais. Ça paraît pas, mais le point de patate, il va faire la différence. Les PV, c'est toujours bien. Alors, concrètement, contre un boss, c'est mieux de le laisser venir. Donc, je vais mettre 7 avec son épée en acier. Avec un peu de bol. Avec un peu de bol, je lui mettrai juste assez de dégâts pour que quelqu'un d'autre puisse le finir. N'oublions pas les voix. Bah, quelle bande d'imbéciles on m'a collé! Non. Non plus. Et merci Spira pour le raid et bienvenue sur le live. Alors, je vais le tenter. Ça devrait aller. Voilà. C'est impossible, je... Ouais, un autre level up. La technique va beaucoup monter, mais c'est pas ce que j'ai envie que ça monte dans l'immédiat. L'objectif, c'est de prendre la place, et on est obligé de le faire avec le Lord. Si je vais avec Franz là-dedans, non. Je vais essayer d'aller dans la maison là-bas. Visiter.
Ce chevalier qui campait au château portait une armure d'une rare finesse. C'est comme si elle pouvait refouler tout type de fer qui la percute. Toutefois, je connais les armures. Je sais qu'elles n'ont aucune chance face à des armes telles que la rapière. Là. Et le cuir acide. Alors, je profite de ce moment-là pour faire quelques modifs dans les options. Déplacement rapide, texte rapide. Curseur, pas toujours sur le protagoniste, parce que j'ai l'habitude que ce soit sur le dernier perso qui a joué. Et puis voilà. Et on va pouvoir passer à la suite. Damtana. Sir William, je suis désolé, je ne voulais pas être une source d'ennui. Ce n'est pas grave, je vis pour vous servir, madame. Eric Tana, Erika, c'est vraiment toi? Ah ouais, Cronias. Tana, qu'est-ce que tu fais si loin du château de Frenia? La chute de René m'a beaucoup inquiété. Ah, quel soulagement de te voir saine et sauve. Mais où est Frein? Comment va-t-il? Ah, si seulement je le savais. Tu es sans nouvelles de lui, pourvu qu'il n'ait pas été blessé. Vite, nous devons nous rendre au château de Frelia. Mon père sait peut-être quelque chose. Merci, Tana. Erika et ses compagnons ont repris le contrôle de la frontière de Mulan. Aux côtés de la princesse Tana de Frelia, Erika se dirige vers la capitale Freliane. Oh Tana, je suis heureux de voir que tu es rentré en un seul morceau. Je me suis fait un sang d'encre en apprenant ce qui t'était arrivé sur la frontière de Mulan. Ne pars plus sans ma permission, me suis-je bien fait comprendre? Ne te mets pas dans des états pareils, papa. J'apporte d'excellentes nouvelles, Erika, approche. Bonjour. Bonjour, votre majesté. Je suis heureuse de vous revoir malgré un contexte difficile. Ah, Erika, mon cœur se réjouit de te voir saine et sauve. C'est gentil, j'ai pu m'enfuir de justesse avant la chute de René. Mais j'ignore si mon père... Oui, j'ai reçu des nouvelles de ton père. Que dites-vous, votre majesté? Comment va mon père? Le roi Fado, mon ami, n'a pas survécu à la prise d'assaut de René. Non, c'est impossible. Sois tranquille, l'Empire de Grado sera puni pour sa lâcheté. Frelia en fait le serment. Erika, va te reposer. J'imagine que tu dois être exténué. Votre Majesté, vous savez que le prince Ephraim a disparu, n'est-ce pas? Oui, il semble que le prince et ses hommes se battent farouchement contre les soldats de Grado. Il paraît qu'il a mené ses forces jusqu'aux portes de l'Empire. D'après nos rapports, ils ont franchi la frontière et se battent à Renvol. Mon frère, il est en train de se battre? Oui, c'est une information qui a bien failli coûter la vie à mes chevaliers Pégase. Malgré la destruction de René et de son armée, le prince est allé attaquer l'ennemi de front. Je reconnais là le fils de Fado. Quel jeune homme courageux! Je souhaite qu'il sorte indemne de tous ces combats. Votre Majesté, je vous remercie pour votre hospitalité, mais je ne peux pas rester. Je dois rejoindre mon frère à lui prêter main forte. Mais c'est de la folie! Tu sais aussi bien que moi qu'il s'agit là d'un plan suicidaire. Je trahirai la mémoire de Fado en te laissant courir à ta perte. Reste ici, reste pour pleurer la mort de ton père, et laisse cette guerre aux guerriers. Je sais que ça part d'une bonne intention, votre Majesté. Mais je viens de perdre mon père. Et si je ne fais rien, je risque aussi de perdre mon frère jumeau. Je ne peux pas rester les bras croisés pendant que mon frère risque sa vie. Hélas, René n'a plus d'armée. Grado a éliminé tous ses soldats. J'aurais souhaité que Frelia puisse t'apporter quelques soutiens, mais... Mon fils Inès est parti affronter les forces de Grado. Nous avons donc besoin de tous nos hommes. Tes chevaliers ne sont pas suffisamment nombreux pour pouvoir tenir tête aux fosses de Grado. Veux-tu tout de même y aller? Oui. Je vous prie de m'excuser.
Bah, aussi têtu que ton père, que puis-je faire face à tant de détermination et de témérité? Vanessa! Oui, votre majesté? Mulder! Qu'y a-t-il, mon roi? Gilliam? Présent! Pardon. Vous allez accompagner la princesse Erika de René jusqu'à Grado. Je veux que vous l'aidiez à sauver son frère. C'est une mission sérieuse que vous nous confiez, là. Peu importe les obstacles, nous accomplirons notre devoir. Nos vies sont à vous. Ce sont mes sujets les plus fidèles et dévoués. Ils seront certainement en mesure de t'aider au cours de ton voyage. Et n'oublie pas qu'un tel combat exige un équipement approprié. Je vais faire apprêter un convoi pour le transport de tes armes et provisions. Il sera toujours près de toi où que tu ailles. Votre Majesté, je... Merci infiniment. Non, tu me remercieras quand tu reviendras. Avec ton frère, le prince Ephraim. Oui, Votre Majesté. Waouh, 5000 écus, yay! Erika, tu ne vas tout de même pas te jeter dans la gueule du loup! Je comprends que tu veuilles te rendre utile, mais c'est trop risqué! Qu'arrivera-t-il si tu te faisais capturer par les hommes de Grado? C'est gentil de t'inquiéter pour moi, Tana. Mais je n'ai pas le choix, je dois y aller. Erika, oh, comment nous ne sommes arrivés là? Où va le monde? Tana, pourquoi l'Empire de Grado a-t-il ordonné cette invasion? L'Empereur Vigarde est un homme de paix, son peuple l'adore. Qui plus est, Ephraim et toi êtes les amis du prince Lyon, non? Qu'est-ce qui a motivé cette folie? Pourquoi est-ce que ça nous arrive à nous? Je ne saurais répondre à tes questions, Tana. Aussi incroyable que cela puisse paraître, nous sommes en guerre. Si je ne fais rien, je risque aussi de perdre mon frère. Je dois me battre. C'est la seule réponse que je peux te donner. Bah c'est sportif, en fait, de faire toutes ces voix. En tout cas, c'est là-dessus que je vais couper pour la VOD. Merci en tout cas de l'avoir vu et à bientôt pour la suite. Bye!